a dit beaucoup de choses. Alors déjà, savez-vous qu'il y a un grand pays communiste qui a décidé de financer la sortie de la crise en taxant les milliardaires ? C'est les États-Unis. Voilà, ils viennent de le faire, ils sont en train de le faire, plus de 300 milliards de taxes sur les plus riches de leur pays. Deuxièmement, par rapport à ce que vous disiez, non, justement, la fortune des milliardaires n'est pas un bas de laine qui va s'épuiser, elle augmente de 39 milliards par an en moyenne. Les dividendes, qui sont vraiment de l'argent réel versé dans la poche des gens, ont augmenté de 269% en 20 ans. Donc à chaque fois on nous dit c'est exceptionnel, ça durera pas, c'est un coup du sort, ils sont riches cette année, demain ils seront pauvres, faut pas les taxer, faut arrêter. En fait, quand on prend du recul, les riches deviennent de plus en plus riches dans ce pays. Voilà.